dans la catégorie musique création du campus Notre-Dame de Foix. Veuillez accueillir Bande à part. Bonsoir tout le monde. J'ai l'honneur, l'horreur et le bonheur d'être ici ce soir pour vous présenter mes compos de piano. En fait, parce que ça va être la première fois, la deuxième après la générale, que je vais faire mes compositions devant plus de 5 personnes. Donc, en fait, le piano a toujours été un peu ma personnelle où je ne l'ai jamais vraiment pris au sérieux. Ça a toujours été ma manière de relaxer le soir. Donc, quand mes parents allaient se coucher, je montais jouer au piano pour relaxer devant mes deux spectateurs, mes chats. Donc, c'est ça. On va y aller avec la première. En fait, je vais vous demander, on a beaucoup... j'ai un horaire chargé, donc ne pas m'applaudir entre les pièces, puis on va applaudir à la fin, comme ça, je rentre dans mes temps. Fait que... Tigrou! La première, c'est Carousel. De grillons. Ah, OK. On y va. Donc, c'est ça. En fait, comme je vous raconte, je joue toujours le piano un peu tout seul. Puis, en fait, j'ai jamais développé de technique. Je pianote un peu chez nous depuis toujours. On a un piano chez nous. Donc, pour essayer d'un peu développer mes techniques, je me donne des petits défis. La première, en fait, c'était de pratiquer mon ternaire, qui est comme la musique qui se compte en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, c'est ça. Puis la deuxième que je vais vous présenter, en fait, c'était apprendre à faire des nuances. Parce qu'avant, je jouais tout le temps fort. Fait que c'était vraiment plate. C'était bien ordinaire. Donc, c'est ça. La deuxième, je pense que ça s'appelle Révolution. Thank you.
Je colle du nez, je suis désolé. c'est ça, c'est un peu bizarre, le stress. La troisième, c'est un peu plus personnel, un peu plus lourd. Durant Noël, j'ai eu la chance, avec mon band, d'aller enregistrer mon album, un futur album à Saint-Aimé-des-Lacs. On a un chalet là. Mon grand-père, sa santé s'est vraiment détériorée. Là. Il y a 2 ans, il bûchait du bois tout seul dans la forêt. Puis là, ça a comme dégénéré bien vite. Puis c'était pendant que j'étais en train d'enregistrer mon album. Puis quand je suis revenu, j'ai comme pas réalisé que ça allait pas aller mieux. J'étais un peu dans le déni. Donc, quand mes parents ils s'en allaient s'occuper de lui un peu, c'est comme tout seul à la maison que je réalisais que, OK, c'est la fin des émissions, ça va pas aller mieux. Puis, ça m'a vraiment rentré comme un troc. J'ai essayé de m'exprimer par le piano, puis j'ai fait comme l'agencement de notes les plus tristes que je pouvais. Donc, c'est ça. Voici la troisième. Deuil, je pense.